Merci. Alors, avant d'attamer le rituel, enfin, j'allais dire le plat d'entrée, nous allons faire un petit rituel qui consiste à mettre la cérémonie dans les mains du Très-Haut. Pour ce faire, nous invitons M. Ekwe à Melbourne pour la prière d'ouverture. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Ameibor, un nom que je vous demande de garder pour une raison que je vous dirai dans quelques minutes. Merci. Merci. Et nous prions l'assistance de se lever pour quelques secondes de prière afin de remettre la cérémonie de cet après-midi entre les mains du Seigneur et demander son règne au milieu de nous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons cet après-midi pour ce précieux moment que tu nous accordes. Merci pour l'événement qui nous rassemble cet après-midi à tes pieds. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, de bien sans toi. Et c'est pourquoi cet après-midi nous remettons la cérémonie de remise des clés entre tes mains et nous t'invitons à prendre place, à régner en chacun de nous et au milieu de nous pour que du début jusqu'à la fin, seul ton nom soit glorifié. Merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à M. Kouamegor pour les bénédictions. Nous allons donc continuer avec la chorale, mais je vous prie de vous limiter à une seule prestation, s'il vous plaît, à cause du retard que nous avons accusé. Merci. Allez-y, je vous prie. Mesdames et messieurs, avant toute chose, nous allons assister à l'exécution de l'hymne national. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Acclamations, s'il vous plaît. Merci.
merci, merci à la chorale du lycée de Ganavi. Sous vos acclamations. Merci. Nous continuons le programme avec à présent le discours du responsable de l'institution qui nous accueille. Je fais référence à monsieur le proviseur du lycée de Ganavi. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le maire de la commune Lac 4, messieurs les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, vénérés chefs traditionnels, chers collègues chefs d'établissement, chers invités et chers élèves, vaillante population de Ganavé et de ses environs, les mots me manquent pour exprimer l'immense joie et la grande satisfaction qui m'anime en ce jour pour avoir accepté, honoré de votre présence, cette modeste mes grandes cérémonies de remise officielle de ce beau bâtiment scolaire construit par l'ONG BSBZ Togo, dont le directeur est le docteur Mpati Brad, digne fils de Ganavé. Soyez les bienvenus à Ganavé. Votre présence à cette cérémonie nous honore et témoigne de l'intérêt que vous portez à l'éducation de nos enfants. Qu'il me soit permis d'exprimer aux donateurs, je veux dire à l'ONG BSBZ Togo en général et au docteur Mpati en particulier, toute notre reconnaissance et notre gratitude pour ce geste exceptionnel et rarissime qui marquera à jamais l'histoire de Ganavé et de celle de l'établissement. Permettez-moi une fois encore de saisir cette opportunité pour rappeler les retombées importantes pour le lycée Ganavé du partenariat avec l'ONG BSBZ Togo depuis septembre 2019 à ce jour. En effet, en octobre 2018, lors de la transformation du CEG en lycée, l'établissement ne disposait d'aucune infrastructure pour accueillir même les élèves des classes de seconde. Il a fallu, pour rendre effectif le début des cours dans le secondaire 2 à la rentrée 2019-2020, que la communauté se mobilise pour réhabiliter l'ancienne infirmerie de l'ancienne féculerie et la transformer pour la circonstance en deux salles de classe. Nous exprimons ici également toute notre reconnaissance à toute la communauté de Ganavé et à sa diaspora. Et pour permettre aux nouveaux élèves du secondaire 2 de s'asseoir, l'ONG BSBZ Togo nous a offert en septembre 2019 70 tables bancs.
dans le cadre de son projet Au cours de nos discussions, le directeur Houpati a pris alors la décision de s'attaquer une fois pour de bon au problème d'insuffisance des salles de classe qui persiste et qui risque d'hypothéquer le développement de l'établissement à travers le projet de construction d'un bâtiment scolaire sur 3 ans à raison d'une salle de classe par an. Il n'a pas attendu la fin des travaux de construction de la première salle de classe quand il a décidé de construire en même temps les 2 autres. Les travaux ont débuté en septembre 2021 et viennent de prendre fin ce mois de mars 2022. Par ailleurs, pendant que les travaux de construction se déroulaient, il a fait fabriquer encore 80 nouveaux tables-bancs pour les apprenants. Aujourd'hui, nous voici devant ce somptueux bâtiment flambant neuf, unique en son genre par sa peinture. Au nom de toute la population de Ganavé, au nom du corps professoral et au nom de nos élèves, que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce chef-d'œuvre trouvent ici nos remerciements les plus sincères. Grâce à ces réalisations, nous pouvons affirmer sans réserve que ce n'est pas seulement la localité qu'ils ont soutenue, mais aussi pour nous avoir aidés dans l'accomplissement de notre mission qui consiste à mettre le lycée sur les rails. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que cet objectif est atteint. Comme preuve, à la fin de l'année scolaire 2019-2020, nous avons obtenu au bac 1, série A4, un pourcentage de 92,33%. Le lycée n'ayant pas encore ouvert cette année la classe de première D. Pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, nous avons obtenu les résultats ci-après. Bac 1, série A4, 95,52%. Série D, 64,70%. Bac 2, série A4, 82,14%. Série D, 55,55%. Même si nous avons encore du chemin à faire, nous pouvons nous féliciter de ces résultats obtenus pour un lycée nouvellement créé. Le couronnement de tous ces efforts viendra avec la décision ministérielle qui vient diriger le lycée Ganavé en centre d'écrit du BPC. Comment ce centre d'écrit pourra-t-il être opérationnel sans les salles de classe? Ce bâtiment scolaire est arrivé au moment opportun. Aujourd'hui, nous pouvons pousser un ouf de soulagement pour le travail que nous avons ensemble abattu depuis 2019 jusqu'à ce jour. Nous prenons l'engagement de prendre soin de ce beau joyau pour le devenir des élèves de la localité et de ses environs. Que le Tout-Puissant vous rende tous vos bienfaits au centuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, proviseur du lycée de Ganavé. Nous poursuivons à présent avec le discours du directeur de BSBIS Togo. À tout seigneur, tout honneur, avec la complicité de la technique, nous allons aller aux États-Unis pour suivre le directeur Dr. Brad Houpati. Juste le temps pour moi de préciser que la cérémonie est suivie sur Zoom, donc nous sommes suivis aux quatre coins du monde. Si la technique est prête, voilà.
encore quelques secondes. Le préfet de la, le préfet de l'Arc, j'allais dire. Le temps que la technique nous revienne. Je précise également que nous avons déjà accusé un retard et donc prière aux intervenants d'être brefs dans leurs interventions. Ok. On nous signale que c'est bon. Ok. Alors, comme je l'annonçais, le discours tant attendu de celui qui nous réunit en ce lieu, Dr. Blaise Moupati, à l'écran. Allô, directeur. Allô, directeur. Vous avez la parole. Monsieur Sengaya, vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5, directeur. Avec votre tamisson, 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 avec votre tamisson. Si le son est revenu ou que les parents et les invités peuvent nous entendre, nous allons alors prendre la parole sans dire mal au terme. Monsieur le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, Monsieur le préfet des Lacs, Monsieur le maire de la commune Lac 4, Madame la directrice régionale de l'éducation, région maritime, honorable député, Public Affairs Officer of the U.S. Embassy in Togo, Monsieur le chef d'inspection de l'enseignement secondaire des Lacs, Messieurs les responsables des associations des anciens bénéficiaires des programmes de bourse du département d'État américain, et collègues universitaires.
véritable banc en suite à leur demande. À cette occasion, les bénéficiaires avaient exprimé le besoin urgent de construction de bâtiments scolaires, rapportant que plus de 500 élèves s'ajouteront à l'effectif du lycée pour le compte de l'année académique en cours. Alors, qui parle de nouveaux bâtiments parle de tables et bancs additionnels pour pouvoir accueillir tous ces élèves. Face à cette situation d'urgence et de nécessité de construire un nouveau bâtiment, je fis convoquer une réunion d'urgence avec le proviseur et les parents d'élèves. Ayant compris que ni le lycée ni les parents n'avaient les moyens pour cet énième besoin, je me suis engagé par l'entremise de mon organisation caritative BS10 Togo Inc. pour financer la construction de ce bâtiment, supposément avec l'aide du lycée à travers les cotisations parallèles. Plus loin, ces cotisations n'étaient plus possibles. J'avais compris alors qu'il fallait prendre en charge le projet seul, uniquement par amour pour les élèves et aussi en reconnaissance aux enseignants qui m'avaient instruit et aux parents. Aujourd'hui, nous voici en face du tout nouveau bâtiment du lycée, malgré les difficultés rencontrées. En toute humilité, je voudrais prier toutes les diasporas togolaises et bonne volonté, y compris celle de Ganavé, absente lors de cet effort, d'apporter le peu qu'ils peuvent pour contribuer au développement de nos communautés à travers toute œuvre en soutien aux populations à la base. Mesdames et messieurs, cet ouvrage, rappelons-le, est inspiré du programme de Fulbright, dont les travaux ont duré 7 mois, comme vous venez de l'entendre tout à l'heure. Cela nous a coûté plus de 22 millions de francs CFA. C'est le lieu de remercier mes amis et collègues Fulbright et surtout David Dunston, l'ancien volontaire du Corps de la Paix qui a été un de mes étudiants, et leur famille pour leur contribution qui font état de près de 15% du coût total de la réalisation de cet ouvrage. Rappelons-le, ces donateurs ne sont pas natifs de Ganavé, je suis le seul. De même qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements à mon équipe pour leur dynamisme et surtout leur humilité, leur honnêteté et transparence dans la gestion du chantier. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, distingués invités, qu'il me soit permis de vous remercier pour votre soutien et présence à nos côtés, tant en ligne qu'en présentiel à Ganavé. Aux parents et enseignants, tout reconnaissant, je vous encourage dans votre mission, combien si noble, mais à la fois si difficile. Quant à vous, chers élèves, vous savez bien que je vous aime, mais j'ai quelques faveurs à vous demander. Dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vraiment travailler très dur, sans vous en prendre à vos parents, même s'ils n'ont rien, même devant n'importe quelle difficulté que vous rencontrerez. N'oubliez pas une seule chose dans la vie, votre avenir n'intéresse personne. Et donc, mettez-vous au travail et par la grâce de Dieu, parmi vous, nous compterons de gros cadres qui reviendront un jour développer le village et servir dignement la nation. Que votre histoire soit meilleure à la mienne, parce que moi, je n'avais aucune référence, mais vous, vous en avez plusieurs. Le comptable m'a fait comprendre que les tables bancs que nous avons offerts nous ont coûté en conception et livraison plus de 4 millions de francs CFA. Vous comprendrez par là que nous avons fait abattre beaucoup d'arbres. Alors mon petit défi pour vous est ceci. Sur 10 ans à venir, nous, lycée de Ganavé, prendrons la résolution de planter beaucoup d'arbres alors pour remplacer tous ces arbres-là que nous avons fait abattre pour vous faire asseoir. Alors, à l'assistance, pour bien comprendre mes motivations, je vous propose, avec la complicité de la régie, de suivre
un des discours que j'avais donné à l'occasion des 75 ans de Fulbright célébrés par les anciens bénéficiaires des programmes de bourse du département d'État américain au Togo. À ce moment-là, je vous prie alors de convenir avec la régie pour vous faire écouter alors le discours que j'avais donné en ce jour. Je reprendrai la parole s'il me restait une minute sur mon temps. Bénéficiaire de Fulbright de 2011 à 2013 à l'Université de Georgia. Que dire de ce programme? Ce programme a transformé ma vie et certainement celle des milliers de personnes. Je suis Dr Brad Mupati, ingénieur agronome togolais, ancien bénéficiaire de Fulbright de 2011 à 2013 à l'Université de Georgia. Que dire de ce programme? Ce programme a transformé ma vie et certainement celle des milliers de personnes qui sont connectées à moi d'une manière ou d'une autre. Déjà, ce programme m'a permis d'obtenir le doctorat en systématique des coccinelles, faisant de moi très modestement le premier expert africain en la matière. Parallèlement aux activités sociales auxquelles j'ai eu droit grâce à ce programme, en 2012, j'ai eu l'opportunité de participer donc à une activité qui nous a conduit au domicile de l'ancien président américain Jimmy Carter, avec qui, parmi la foule, j'ai eu la grâce immense de discuter. Et le lendemain, à l'église, on a fait le culte ensemble. Sur mon chemin de retour, j'estime avoir reçu ce que je n'espérais pas. Et justement, ceci m'a amené à me poser beaucoup, beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Fort heureusement, ces questions m'ont amené à décider de reprendre mes activités sociales que je menais au Togo depuis 1998 avant de venir aux États-Unis. C'est ainsi que je suis devenu membre à vie de Fulbright et en cette capacité, j'ai eu le privilège et l'opportunité d'avoir servi comme directeur de communication, directeur de plaidoyer, vice-président de l'association Fulbright Georgia Chapter. J'ai formé des centaines d'étudiants de postdoc qui viennent dans l'État de Géorgie et avec ces privilèges, j'ai eu à créer un grand réseau d'amis venant de plus de 150 pays. Partant de cette expérience, avec les activités que je mène au sein de Fulbright, je m'étais amené alors à travailler avec les députés, les sénateurs du Congrès américain. J'ai eu aussi à travailler du côté des députés de l'État de Géorgie et c'est dans cette capacité même que j'ai eu une chance formidable d'avoir rencontré feu John Lewis, l'ancien coéquipier de Dr. Martin Luther King. Parallèlement à cela, j'avais eu à travailler avec l'ancien maire de la ville d'Atlanta, celui-là même qui a transformé l'aéroport d'Atlanta aujourd'hui au premier aéroport du monde. Toujours dans toutes ces chances que j'ai eues, surtout avec les présidents de plusieurs universités, et curieusement, j'ai eu à partager le podium avec veuve Fulbright elle-même à plusieurs reprises, tant dans mon université comme à Washington DC. Dans ces activités, avec le carnet d'adresses que j'ai su tirer alors comme bénéfice de services sociaux offerts, j'ai eu alors dans un premier temps à créer l'association des bénéficiaires de Fulbright dans mon université. Ce leadership m'a permis de toucher directement des bénéficiaires de Fulbright qui viennent de par le monde. C'est tellement beau que j'ai vu tout de suite ce qu'un réseau peut faire que je n'ai pas tardé une seconde à créer alors l'organisation qu'on appelle aujourd'hui Grain de Sel Togo, une organisation caritative qui est présente aujourd'hui en France, au Togo et aux États-Unis, déjà avec 41 lauréats, dont un docteur, dont deux étudiants qui s'en sont sortis avec leur master's. Actuellement même, il y a deux étudiants qui sont en fin de cycle doctoral et un en master's, tous évoluant en France sous ma direction. Parallèlement aux activités de Grain de Sel, nous avons eu à organiser des séminaires de formation, d'information, de renforcement des capacités à l'endroit des milliers de lycéens au Togo pour le compte des étudiants des universités de Kara et de Lomé. Nous avons sponsorisé l'obtention du certificat de nationalité pour plusieurs lycéens ayant obtenu le bac.
Le carnet d'adresses ainsi créé nous a permis notamment d'équiper mon village d'origine Ganavé en matériaux d'entretien déjà en 2017. Parallèlement toujours à ces activités avec toujours mon carnet d'adresses, quand le lycée de Ganavé fut créé en 2018 avec l'impossibilité pour les villageois de réunir les moyens pour ouvrir le lycée, je n'ai eu qu'à utiliser mon carnet d'adresses pour mobiliser les moyens pour donner les meubles pour ouvrir le lycée. D'ailleurs, nous continuons de soutenir ce lycée jusqu'à aujourd'hui et avec le lancement récemment du projet Je rembourse mon école qui va avoir plusieurs implications à travers le Togo. Nous avons pu organiser l'électrification des villages au Congo-Brazzaville avec l'utilisation des plantes, uniquement que des plantes. Nous avons aussi eu la chance de participer à l'organisation des missions, des activités sociales et environnementales au Malawi. Ces activités, franchement, s'il faut continuer la liste est tellement longue. Mais tout de suite, avec le contact que j'ai eu avec ces étudiants immigrants qui viennent de par le monde, je me suis amené à regarder les autres problèmes, notamment de la vie américaine. Et c'est justement ce qui m'a amené alors à proposer la création d'une autre entité qu'on appelle aujourd'hui BS Biz Togo, qui a une filiale déjà à Lomé et aussi avec l'agence ou bien la direction aux États-Unis. Avec cette organisation, nous assistons dans divers domaines de la vie professionnelle, en informatique et tout, mais surtout nous assistons les immigrants et aujourd'hui nous avons assisté près de 3000 immigrants qui viennent aux États-Unis. Au départ, on venait justement pour étudier aux États-Unis. Nous ne savions pas que notre vie allait être transformée à ce point. Et justement, avec le carnet d'adresses créé, la majorité des Togolais boursiers, étudiants comme postdoc, ont bénéficié de mon soutien direct comme impact du programme sur ma vie et indirectement sur leur vie. Ils sont là même pour témoigner aujourd'hui. Bref, s'il faut parler de l'impact de Fulbright sur ma vie, le temps ne me suffira pas pour en parler, mais ce que je peux retenir en deux qualificatifs que ce programme a permis d'obtenir, dans mon université, on m'appelle le voyageur du monde. Au sein de la corporation de Fulbright, on m'appelle l'homme de toutes les saisons. En tout cas, je retiens une chose, ce programme a transformé ma vie et continue de transformer la vie des milliers de personnes. Je n'ai rien d'autre à dire que ma façon de voir les choses, de faire les choses, tout ça a changé au point que entreprendre de petits projets ici et là devient pour moi comme mon quotidien. Que dire donc? Merci.
pensée s'envola à travers les fenêtres et allait droit à la mamie qui mijotait là-bas sur le feu. À qui aujourd'hui la faute? À moi-même. Mes parents ont subvenu à tous mes besoins. Au prix de beaucoup d'efforts et de sacrifices, malgré tout, j'ai récolté le fruit amer de mon insouciance. La plupart de mes anciens camarades sont aujourd'hui les cadres de la nation. Et moi, je continue d'errer en menant une vie parasitaire. D'après M. Dosu Kokovigi. Merci. Bonsoir, mes chers publics. Veuillez écouter juste ce poème. Honneur aux enseignants, honneur aux enseignants. Mes chers écoliers, aimez de bon cœur vos maîtres, car ils sont les bâtisseurs de notre avenir. Qui donc, parmi les intellectuels de ce monde, avocats, présidents, ministres, directeurs ou docteurs, dira qu'il n'a pas eu de maître dans son enfance? À bon menti, qui vient de loin. Mes chers écoliers, soyez sages et écoutez les bons conseils de vos maîtres, car ils sont les bâtisseurs de notre avenir. Sachant que si ce monde a de valeur, c'est grâce aux enseignants. Ce sont eux qui nous ont donné le savoir vivre à ces intellectuels que nous voyons aujourd'hui en avion, en moto, en voiture. Programme, plein de programmes d'études et de bourses. Donc, ces programmes se regroupent au sein du GATS. Ces programmes se retrouvent au sein du GATS. Alors, moi, je dirais tout simplement que notre présence ici, c'est pour dire merci à notre frère, notre ami Brad, pour ce qu'il a fait pour cette communauté et encourager nos jeunes frères, à poursuivre les efforts pour pouvoir réussir et faire mieux que le docteur Brad Humpati. Et nous allons continuer pour leur dire, les relations sont très importantes. Dans le discours du docteur Humpati, il a mentionné son carnet d'adresse. Et nous voulons revenir là-dessus pour dire à nos chers frères, nos chères sœurs, qui sont encore sur les bancs aujourd'hui, que les relations sont très importantes. Et nous avons rencontré le docteur Humpati quand nous n'étions pas encore président du GATS. Nous avons travaillé ensemble en tant que représentants de Grain de Sel Togo. Nous avons travaillé sur plusieurs projets. Nous sommes allés à des endroits que nous ne connaissions pas. Et à partir de ces visites, à partir de ces déplacements, des relations, des contacts ont été créés et nous en bénéficions encore aujourd'hui. Donc pour être bref, nous voulons dire merci au docteur Humpati, dire merci aux bénéficiaires et les encourager à prendre soin du joyau qui vient d'être offert au lycée de Ganavé et demander à tout un chacun de nous, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Avonon, quand nous allons rentrer chez nous, dans nos communautés, que chacun fasse le peu. Brad ne cesse de dire, le peu que tu peux faire, fais-le, ça donnera de la joie à quelqu'un. Même si c'est 10 francs que tu offres à quelqu'un, c'est 25 francs, ça contribuera à procurer de la joie à quelqu'un. N'attendons pas d'être des millionnaires, des milliardaires, avant de faire des choses dans nos communautés. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Mangtoto. À présent, nous allons tourner le regard vers M. Docteur, j'allais dire, Prosper Begedou, pour ses propos. Et nous espérons qu'en une minute, il pourra nous dire l'essentiel. Sous vos invitations, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs les autorités publiques présents ici, mesdames et messieurs les représentants de l'ambassade des États-Unis, monsieur le directeur de BSB Togo Inc. et également président de Grain de Sel, chers professeurs, chers élèves, mesdames et messieurs, en vos titres, grades, tout protocole respecté, c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir ici parce qu'en 2019, je faisais partie de la délégation qui était venue ici pour faire la remise des tables blanches pour le bon fonctionnement des études ici. Et je suis très content en ce jour d'être encore ici pour vivre, expérimenter et voir ce qui est réalisé ici. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci au docteur Brad Nkoti pour cet honneur qu'il m'a donné de dire un mot à cette occasion. Et c'est un privilège parce que j'ai connu Brad Nkoti, docteur Brad, il y a cela plusieurs années, quand je devais aller aux États-Unis pour un programme d'échange. Depuis son état, il a pu organiser les choses pour moi, pour que je trouve là où je dois dormir un logement et les équipements dans la salle où j'étais. Donc, comme il a dit dans son discours, il a aidé plusieurs personnes et je fais partie de ces personnes qu'il a aidées pour que je puisse m'installer et pouvoir suivre mon programme. Il a aidé aussi d'autres personnes. Donc, je voudrais saisir cette opportunité pour lui dire merci et également vous dire que effectivement tout ce qu'il a dit, il a fait et il y a des preuves. Je suis ici pour dire merci à cet établissement qui est en train de faire un grand travail et d'autres établissements encore au Togo pour former les jeunes. Je suis actuellement le directeur du centre qu'on appelle à l'université de Lomé American Kona. Et c'est un centre qui est né du partenariat entre l'ambassade des États-Unis au Togo et l'université de Lomé qui a créé ce centre. Je voudrais encourager les élèves qui sont ici à travailler dur, à réussir dans les études. Et lorsqu'ils vont avoir leur bac, en allant à l'université de Lomé, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont venus vers eux entre-temps et qui peuvent compter sur eux. Et également, ils ont un cadre où ils peuvent améliorer leur anglais parce que tous ces programmes d'échange qui ont été mentionnés, d'autres que vous connaissez encore, sont possibles lorsqu'on maîtrise l'anglais, quel que soit le domaine. Donc, je les encourage à venir, à s'intéresser à toutes les matières, mais aussi à l'anglais, parce que ça va leur ouvrir beaucoup de portes. Et je vous encourage à l'excellence académique, parce que cette bourse Fulbright et d'autres bourses encore ne sont octroyées qu'à ceux qui sont excellents. Donc, excellence, excellence, excellence. Je vous remercie. Merci beaucoup au docteur Begedjou pour ce propos. À présent, nous allons inviter avec tous les honneurs qui sont dus à son rang, monsieur le préfet de la des lacs, j'allais dire, pour son discours. Monsieur le préfet. Okay. Alors, nous allons procéder à un petit changement. Nous allons écouter en premier le maire de la commune Lac 4 avant l'intervention du préfet. Merci. Monsieur le préfet,
chef canton de Ganavé, vénéré chef traditionnel de l'A4, messieurs les conseillers municipaux de l'A4, Brad Mpati, mon très cher frère, monsieur le proviseur du lycée de Ganavé, force de défense et de sécurité, chers parents et élèves, chers invités en vos grâces et qualités, soyez les bienvenus. Je pouvais m'arrêter pour ne faire aucun discours et prononcer un mot de 5 lettres qui se résume en ceci. Merci. Merci aux donateurs. Je voudrais, dans les années, dans les mois, années à venir, voir multiplier des brades Mpati, beaucoup plus davantage, 2, 3, 4 par village dans les 22 villages de la commune de l'A4. Parce que notre communauté, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons la construire et demander après des aides ailleurs. Je voudrais que la population de l'A4 le comprenne. Personne ne viendra d'ailleurs pour construire notre milieu. Nous devons le porter aux genoux et Dieu va nous aider à l'amener à la tête. Il y a gang qui m'a été bon à Intia, n'y a les bénévoles toi. N'endele, amène quoi que la terre au joie. Ne tout le monde quoi, ne pas ouais. Il faut que la pique de vous que la dit sauva, ne dit va, ne m'y a l'autre à droit, vivi, ne t'en batte non, et tout au domé. M'y a be, le que docteur Bradwaroya, et non, va me bobo balé, kobe. On dit beau à quoi, oh. Il y a des coucou nobé, ne peut pas major. On est bien tout droit, oh. À quoi, ami? Nous remercions M. le maire de la commune de l'A4 pour son discours. À présent, avec tous les honneurs qui lui sont dus, nous invitons M. le préfet de l'A4 pour son discours. Sous vos ovations, s'il vous plaît. M. le préfet qui nous fait le signe honneur d'être parmi nous. Avant toute salutation, aujourd'hui je dirais vraiment c'est un constat réel. Parce que je viens de quitter 3 ministres qui nous ont rendu ce matin dans une conférence de débat dont le thème est excellence. Et je viens encore de l'attendre dans la bouche des doctorants qui ont bénéficié des programmes d'une relation qui est née entre le Togo et l'ambassade des États-Unis, qui parle encore de l'excellence. Mes chers frères, mes chères sœurs, élèves, c'est une question d'actualité. Si tel est le cas, je vous exhorte au travail. Et il y a un adage qui dit, seul le travail libère l'homme. Seul le travail libère l'homme. Merci. Monsieur le maire de la commune L'A4, messieurs les différents directeurs de différents services
vous, de notre pays, vénérés chefs traditionnels, chers enseignants, monsieur le proviseur du lycée de Ganabé, monsieur le censeur, chers élèves, soyez la bienvenue. Mais en où ils sont? Il y en a vous me tort, vous savez tort. Je le ferai en double flux. Parce que le français un peu est la langue locale qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. D'abord, c'est le remerciement que j'ai à l'endroit du docteur. Hier, il m'avait appelé plusieurs fois. J'étais en réunion. Et je lui avais dit que je vais le rappeler après. Il a souhaité que je sois là. Je lui avais promis que je serais là. J'ai accusé un peu de retard parce que il y a eu une délégation interministérielle qui est arrivée. J'en appelle aux autres bonnes volontés, comme vient de le dire le maire. Kafra, Kafra, j'adresse. Amoléa, Odo, docteur Moubati. On a encore le daté de son auton. On l'a coupé de l'espoir. A des doigts, on n'a rien. A on est tout. A on a d'arro. Qui est sort. L'histoire retiendra leur nom. On l'a appelé. Et du moment où ils ne seront plus dans ce monde, celui qui n'a même pas souffert, celui qui n'a même pas vu, comment il avait souffert pour ramasser tout ça là, c'est lui qui va l'utiliser en mauvais escient. Et il a zin kaya kaya. Ma de coucou gande le fille avec le béni. Docteur Mopatia, et moi qui ai bewari. Mais fou, vini à mien. Quand Franck, gamme non à messieurs, voilà au décibre là, il a parlé des relations, du carnet d'adresse. Pas un carnet d'adresse, tu peux réaliser beaucoup de choses. On l'a dit à mon la tête, toi si à mes bénévoles, on est les bébés. Il y a un adage qui dit, ici vécu un balayeur qui fit bien son travail. L'histoire retiendra toujours ceux qui ont œuvré pour une communauté, pour un canton, pour un village et pour une nation. Ce jour, même s'ils ne seront pas dévorés à titre posthume, au moins, la grâce de Dieu, de là où ils seront en ce moment, tombera toujours sur eux. À l'endroit des élèves, docteur Mbadi, dans son discours, il a dit, même dans la difficulté, même si vous ne trouvez pas à manger, n'abandonnez jamais l'école. Et n'en gardez-vous pas. C'est fort. Très fort d'ailleurs. Parce qu'on a constaté aujourd'hui un relâchement total à tous les niveaux. Les doctorants ne me diront pas le contraire. Monsieur le docteur, docteur Alagnon, docteur Alagnon, vous ne me direz pas le contraire. Parce qu'on a constaté un relâchement total. Les élèves ne s'adonnent plus. Aujourd'hui, il y a un élève qui a eu le courage de dire au ministre que les gens, ses collègues disent en classe, là où va celui qui a 18, c'est là où va également celui qui a 10. Et il avait posé la question au professeur Bachana, qui a animé la conférence aujourd'hui à Anahor. Il est à l'université, vous le connaissez. L'école aujourd'hui est partout dans le monde entier. Si on fait une analyse rétrospective en allant dans les années, au niveau de ces années 50, même avant 50, quand tu as le CEPE, d'alors tu es devenu enseignant ou bien fonctionnaire. De là, on est arrivé au brevet. Ce n'est pas le BEPC, hein.
au brevet d'études. Tu es un fonctionnaire. Le bac, tu as systématiquement une bourse et tu vas dans les pays, dans les grands pays. Et tu fais tout. Quand tu reviens, peut-être qu'en même temps, on te nomme ministre. Aujourd'hui, de là, on est arrivé à la maîtrise. De maîtrise, on est arrivé à master. Aujourd'hui, on est arrivé au professorat. On a dépassé même le professorat pour arriver à l'agrégation, c'est-à-dire les professeurs agrégés. Ceux qui ont la maîtrise, ceux qui ont le master, ils sont parmi nous ici. Ils ne trouvent pas à faire. On te l'ordonne. Même si c'est une personne qu'on cherche, il faut se dire que c'est moi. Même si c'est une personne dont on a besoin, dis-toi que c'est moi. Et tu vas m'élever. Nous qui sommes docteurs, vous bâtis, mon ami, c'est grand. Il faut le faire bien, il faut se donner la, il faut y mettre la qualité, je dis bien la qualité du travail bien fait est toujours récompensée. Il y a un d'appelé et mon alam à messiame qui sort sous moins ou qui dans les dîmes gars que mon docteur pour les filles et mis à matière pour Dieu et là il. Hier, il y a la porte à rien. Il est doit pas me récupérer. Il est doit pas me récupérer. Tout le monde nous sort garder me voir. Quel bon, beaucoup nous met. Regarde, quand tu le fais, amener quelque chose, amener les appeler. Amener les appeler à me que tu vois. Amener que aussi. Amener que tu vois de l'air. Amener regarde, tu vas faire. Amener pour me les donner. Parce que la parole est sacrée. Dans la parole, il y a la sacralisation, ce qu'on appelle la sacralisation. Et c'est la parole qui se fait chair. Je vous exhorte. À chaque instant de notre vie, il faut toujours avoir de belles idées, de belles paroles. Même dans nos profitons, nous avons connu. Même dans nos bonnes, nous avons connu. Mais au bout de ça, au fond, les bonnes, ça risque de se retourner contre toi un jour. Ayons toujours l'esprit positif. Amen, ton nom n'est pas romé. La tour, la leçon, la leçon, on fierbe. Mais pas repoli, poli, que même les là. Tu te maudis toi-même. Sois fier de ce que tu es. En étant fier de ce que nous sommes, la voie te sera grandement ouverte un jour. Il faut avoir la conviction dans la vie. Il faut toujours essayer d'enlever tous les obstacles et avancer. Face à des obstacles, ne rebousser jamais chômer. Restez là-bas, réfléchissez. Parce que tous les problèmes du monde entier ont toujours une solution. À moins qu'on n'y réfléchisse pas. Et il n'y a rien que la magnifique. Donc il est un petit peu le bout mais il y a quoi. Un jour, nous ne sommes quelqu'un de la sport de l'India. Prenez votre vie comme ça. Pas n'importe quoi. Elle est scoulisée. Elle est en Rome. Elle est une des plus aimées. La plus première de la messie, que vous les mères. Il y a gagné, mais bien sûr, il y a d'accord. Pour finir, laissez-moi partager ça avec vous. On n'est pas là où on veut être. Mais on est toujours là où on doit être. Même si le sort décide le contraire, bats-toi toujours et espère. À l'endroit des élèves, je vais vous dire seulement que toujours et espérer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous remercions.
remercions Monsieur le préfet de l'AC pour son discours fédérateur. Nous l'invitons également à rester des nôtres pour la coupure symbolique du ruban. Nous continuons avec un intermède. Nous allons jouir un peu, nous essouffler un peu avec quelqu'un qui n'est plus à présenter. Nous l'avons connu ici lors de notre passage le 17 mai 2021. Lors de la remise de banc offert par Dr. Bradley, ce n'est que celui que l'on nomme Melo Star. Ouais. Galavala! Pour un continent! Le compatriote! Ouais, les élèves, quand je dis à jamais, ma songe devient lycée Ganavé. Ma songe devient lycée Ganavé. Non vieux tosso, nazon va na vaporalo. Monsieur Ganavé est rentré dans l'histoire et il devient le lycée Ganavé. DJ, envoie-moi lycée de Ganavé. Par le décret d'octobre 2018. Avec appui et soutien du groupe PSI Désormais, lycée Ganavé. Mon sujet devient lycée Ganavé. A jamais, lycée Ganavé. Mon sujet devient lycée Ganavé. Élève, parents d'élèves,
ensemble, œuvrons pour le développement de Ganavé, notre canton. Mon CG devient lycée Ganavé, à jamais lycée Ganavé. Otinusia Hati, la fiade au mec Evao. Dake ma ouvénion, n'yanton ni porat. Yata Ganavé Dio, et je bénia odo. Nenya de Nikone, n'ya belice. Mes chers élèves, et je bénia odo. Nenya de Nikone, n'ya belice. Ganavé Dio, quoi, et je bénia odo. Nenya de Nikone, n'ya belice. Dokpo me tu kwao, ana me tu kwanema. Nenya de Nikone, n'ya belice ya. Peda konji tao, loko pe tu kwanema. Nenya de Nikone, n'ya belice ya. Anfwen be tu kwao, ato pe tu kwanema. Nenya de Nikone, n'ya belice ya. L'ancien site de la Saint-Hilaire de Ganavé est devenu un grand lycée pour tout le canton. N'est-ce pas, docteur Bradin Patti? Tous mes respects. Merci à Melosta pour la prestation. Je précise que cette chanson a été produite par Dr. Brad Vupati par le biais de BNB Togo. Le clip est disponible sur YouTube. À présent, nous sommes à la phase fatidique de la coupure symbolique du ruban qui sera faite par Monsieur le proviseur et le représentant de Dr. Brad Vupati. Et les officiels sont également invités pour assister à la coupure. Nous allons, avant de le faire, respecter encore le rituel, c'est-à-dire prier une fois de plus, une prière de consécration, et nous allons couper le ruban symbolique. Nous invitons donc le pasteur de Ganavé pour la prière de consécration. Nous invitons le pasteur. Voilà. Merci. Consécration. Et nous a permis par sa grâce, sa puissance, de terminer ce bâtiment scolaire saint qui sera utilisé pour sa gloire de son nom. Nous lui dédions maintenant le bâtiment en sa sainte présence, à la gloire de Dieu, notre Père.
Alors, mesdames et messieurs, nous allons assister à la partie la plus importante, la partie la plus décisive, la cérémonie officielle de coupure du ruban symbolique, accompagnée de la remise officielle des clés. Et ensuite, nous allons suivre également la visite du bâtiment. L'honneur est donc donné à monsieur le maire de la commune de la 4 pour la coupure du ruban. S'il vous plaît, nous allons prendre une photo d'ensemble. Nous allons profiter pour inviter les parents pour la remise des clés officielles à monsieur le proviseur.
La fanfare, s'il vous plaît, merci beaucoup. Nous invitons la famille pour la remise officielle des clés, suivie de la prise de photo. S'il vous plaît. Monsieur le proviseur, vous êtes invité. Les parents du docteur qui vont procéder à la remise officielle des clés. Ah, monsieur le proviseur. Puis des coucou, il y a bien docteur Blackbeard Dillor, de Wassos, on trouve sa fleur. On est assis maintenant, proviseur là. Eh, oui. Et mec, il y a des photos. Et non. Il y en a pas. Nous prions aussi les officiers d'attendre pour la collation. Merci. La remise officielle des clés, oui. Monsieur, merci beaucoup. Après, mon nom, bah, ok, alors, après, moi, je suis un peu dans le. Nous invitons en ce moment du donateur. Alors que ma ouais le caca est tombé blanc dans tant que le rien j'ai regardé ma on a dit le d'accord ma on le. Merci pour le du maman de la maman de docteur. Dieu m'a donné à quoi ma niaque blonde né. Et la baie, ouais, d'assez de dit, émité son ou, de que peu noir, Tomia n'a pas bras d'oc dit. D'accord, ne m'a ou, ne bag bêta, m'viola me sene, m'viola me sene, à quoi douane fonce sene, et que ba ouéa, ma ou n'a pas souci, et n'y a t'es so dra duado, de Yesu, n'a pas été la peine quoi, amen. Bewa ma didi wa ni pe ro tepe tepe a pe na do keke do me mi odo odo aka afokure pe mu jora me pe ji o e do awe nu yun re a mi ada pe na ma o a pe na mi lo. La photo de famille à présent, nous invitons les officiels pour la prise de photo. Merci.
Merci, merci à tout le monde. Nous allons clôturer la cérémonie avec les mots de remerciement des élèves de Ganabès. Nous prions la presse s'ils peuvent se mettre un peu à l'écart pour les interviews, histoire de nous permettre de terminer en beauté cette cérémonie avec les mots de remerciement des élèves suivis de ceux de la communauté. Messieurs les autorités politiques et administratives, vénérés chefs traditionnels, chers invités, je prends la parole au nom de mes camarades du lycée Ganavé pour exprimer du fond du cœur à Monsieur Mpati, notre généreux donateur, nos sincères remerciements pour ce beau bâtiment qu'il nous a construit afin de nous permettre de fréquenter dans des conditions décentes. Au début de l'ouverture de ce lycée, très peu d'élèves avaient envie de s'y inscrire, tellement le cadre n'était en rien attrayant. Mais au fil des années, nous nous sommes rendus à l'évidence que nous qui avions cru en l'avenir de ce lycée avions raison. La puissante faille du docteur Mpati pour contribuer à bâtir un établissement digne de ce nom pour nous, ces petites frères et les petites sœurs, fait de nous aujourd'hui des élèves fiers sans complexe. Nous pouvons nous aussi marcher tête devant nos camarades des autres établissements de même rang. Que le Tout-Puissant lui donne la santé afin qu'il continue ses œuvres au service de la jeunesse de notre pays en général et de notre localité en particulier. Nous lui promettons d'en prendre bien soin et d'y fréquenter dans la discipline et le sérieux afin d'obtenir de bons résultats. Je vous remercie. De la mairie, le directeur ou le représentant de BIZ Togo, et ministre Aboubouton, Tepenola Keva, le directeur des affaires publiques des États-Unis d'Amérique, le proviseur du lycée de Ghana.
Tonto, Bakromi, Yabenopo, de Dero, Eke, Yabak Bagua de Joa, Basso de Tepenemi, Zéo Zéolo, Akpena Milo. La cérémonie, nous aimerions encore une fois de plus remercier tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Nous vous prions aussi de nous excuser pour le retard et les désagréments. Avant de clôturer et de nous diriger vers les salles de collation, de rafraîchissement, je voudrais une fois de plus que nous terminions comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire avec le rituel, c'est-à-dire la prière de fin. Et nous invitons encore une fois de plus le pasteur de Ganavé pour nous aider avec la prière. Le pasteur de Ganavé, s'il est toujours là, ou à défaut, monsieur Ekwe Amelibor peut nous aider avec la prière de clôture. Merci. Ah, il est là. Merci de rester des nôtres. Nous remercions également tous ceux qui nous suivent en ligne sur Zoom pour leur présence. Merci pour tout. Ganga de la Seigne, et ma wade que me sople. Oh Dieu, trois fois c'est merci. Merci pour ton omniprésent. Merci pour ton omniscient. Merci pour ton omnipotent. Oh Seigneur, le jour que nous espérons. Voilà, c'est ça qui vient de se passer. Merci de tout ce que tu viens de faire dans notre vie. Merci de tout ce que de faire. Ça dit dans la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde. Avant de finir, je voudrais juste rappeler aux élèves que la couleur ou bien la peinture de ce bâtiment est une devinette soumise à un prix. C'est de la part du directeur. L'élève qui pourra l'interpréter, aura un grand prix. Donc, le défi est lancé. Vous allez dire ce que représente les différentes couleurs de ce bâtiment, de ce joyau, pour gagner un grand prix de la part de Dr. Brad. Alors, ça n'est fini pour cette cérémonie. Cette journée s'inscrit d'ores et présent dans l'histoire. Nous sommes à la fin. Nous remercions encore une fois de plus la communauté, les élèves, Dr. Brad, l'initiateur, tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette cérémonie. Je n'oublie pas mes collègues chers volontaires de BSB Togo. Et merci à vous tous. À présent, les officiels sont invités à aller dans la salle réception 1 ou réception 1 pour la collation. Les membres de la localité sont invités à aller au niveau de la salle réception numéro 2. Merci.
la fanfare, la musique, s'il vous plaît. Dr Brad Mpati, ingénieur agronome togolais, ancien bénéficiaire de Fulbright de 2011 à 2013 à l'Université de Georgia. Que dire de ce programme? Ce programme a transformé ma vie et certainement celle des milliers de personnes qui sont connectées à moi d'une manière ou d'une autre. Déjà, ce programme m'a permis d'obtenir le doctorat en systématique des coccinelles, faisant de moi très modestement le premier expert africain en la matière. Parallèlement aux activités sociales auxquelles j'ai eu droit grâce à ce programme, en 2012, j'ai eu l'opportunité de participer donc à une activité qui nous a conduit au domicile de l'ancien président américain Jimmy Carter, avec qui, parmi la foule, j'ai eu la grâce immense de discuter. Et le lendemain, à l'église, on a fait le culte ensemble. Sur mon chemin de retour, j'estime avoir reçu ce que je n'espérais pas. Et justement, ceci m'a amené à me poser beaucoup, beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Fort heureusement, ces questions m'ont amené à décider de reprendre mes activités sociales que je menais au Togo depuis 1998 avant de venir aux États-Unis. C'est ainsi que je suis devenu membre à vie de Fulbright et en cette capacité, j'ai eu le privilège et l'opportunité d'avoir servi comme directeur de communication, directeur de plaidoyer, vice-président de l'association Fulbright Georgia Chapter. J'ai formé des centaines d'étudiants de postdoc qui viennent dans l'État de Géorgie et avec ces privilèges, j'ai eu à créer un grand réseau d'amis venant de plus de 150 pays. Partant de cette expérience, avec les activités que je mène au sein de Fulbright, je m'étais amené alors à travailler avec les députés, les sénateurs du Congrès américain. J'ai eu aussi à travailler du côté des députés de l'État de Géorgie et c'est dans cette capacité même que j'ai eu une chance formidable d'avoir rencontré feu John Lewis, l'ancien coéquipier de Dr. Martin Luther King. Parallèlement à cela, j'avais eu à travailler avec l'ancien maire de la ville d'Atlanta, celui-là même qui a transformé l'aéroport d'Atlanta aujourd'hui au premier aéroport du monde. Toujours dans toutes ces chances que j'ai eues, surtout avec les présidents de plusieurs universités, et curieusement, j'ai eu à partager le podium avec veuve Fulbright elle-même à plusieurs reprises, tant dans mon université comme à Washington DC. Dans ces activités, avec le carnet d'adresses que j'ai su tirer alors comme bénéfice de services sociaux offerts, j'ai eu alors dans un premier temps à créer l'association des bénéficiaires de Fulbright dans mon université. Ce leadership m'a permis de toucher directement des bénéficiaires de Fulbright qui viennent de par le monde. C'est tellement beau que j'ai vu tout de suite ce qu'un réseau peut faire que je n'ai pas tardé une seconde à créer alors l'organisation qu'on appelle aujourd'hui Grain de Sel Togo, une organisation caritative qui est présente aujourd'hui en France, au Togo et aux États-Unis, déjà avec 41 lauréats, dont un docteur, dont deux étudiants qui s'en sont sortis avec leur master's. Actuellement même, il y a deux étudiants qui sont en fin de cycle doctoral et un en master's, tous évoluant en France sous ma direction. Parallèlement aux activités de grain de sel, nous avons eu à organiser des séminaires de formation, d'information, de renforcement de capacités à l'endroit des milliers de lycéens au Togo pour le compte des étudiants des universités de Kara et de Lomé. Nous avons sponsorisé l'obtention du certificat de nationalité pour plusieurs lycéens ayant obtenu le bac. Le carnet d'adresses ainsi créé nous a permis notamment d'équiper mon village d'origine Ganavé en matériaux d'entretien déjà en 2017. Parallèlement toujours à ces activités avec toujours mon carnet d'adresses, quand le lycée de Ganavé fut créé en 2018 avec l'impossibilité pour les villageois de réunir les moyens pour ouvrir le lycée,
je n'ai eu qu'à utiliser mon carnet d'adresses pour mobiliser les moyens pour donner les meubles pour ouvrir le lycée. D'ailleurs, nous continuons de soutenir ce lycée jusqu'à aujourd'hui et avec le lancement récemment du projet Je rembourse mon école qui va avoir plusieurs implications à travers le Togo. Nous avons pu organiser l'électrification des villages au Congo, Brazzaville, avec l'utilisation des plantes, uniquement que des plantes. Nous avons aussi eu la chance de participer à l'organisation des missions, des activités sociales et environnementales au Malawi. Ces activités, franchement, s'il faut continuer la liste, est tellement longue. Mais tout de suite, avec le contact que j'ai eu avec ces étudiants immigrants qui viennent de par le monde, je me suis amené à regarder les autres problèmes, notamment de la vie américaine. Et c'est justement ce qui m'a amené alors à proposer la création d'une autre entité qu'on appelle aujourd'hui BS Biz Togo, qui a une filiale déjà à Lomé et aussi avec l'agence ou bien la direction aux États-Unis. Avec cette organisation, nous assistons dans divers domaines de la vie professionnelle, en informatique et tout, mais surtout nous assistons les immigrants et aujourd'hui nous avons assisté près de 3000 immigrants qui viennent aux États-Unis. Au départ, on venait justement pour étudier aux États-Unis. Nous ne savions pas que notre vie allait être transformée à ce point. Et justement, avec le carnet d'adresses créé, la majorité des Togolais boursiers, étudiants comme postdoc, ont bénéficié de mon soutien direct comme impact du programme sur ma vie et indirectement sur leur vie. Ils sont là même pour témoigner aujourd'hui. Bref, s'il faut parler de l'impact de Fulbright sur ma vie, le temps ne me suffira pas pour en parler, mais ce que je peux retenir en deux qualificatifs que ce programme a permis d'obtenir, dans mon université, on m'appelle le voyageur du monde. Au sein de la corporation de Fulbright, on m'appelle l'homme de toutes les saisons. En tout cas, je retiens une chose, ce programme a transformé ma vie et continue de transformer la vie des milliers de personnes. Je n'ai rien d'autre à dire que ma façon de voir les choses, de faire les choses, tout ça a changé au point que entreprendre de petits projets ici et là devient pour moi comme mon quotidien. Que dire donc ? Merci.